Salut les amis. Allez, aujourd'hui on a changé d'endroit, on part du chêne, mais toujours sur le même spot, on a juste changé le point de départ. On va aller encore écumer les petites pistes enduro de l'accro avec les copains. Allez, c'est parti tout de suite en vidéo. Allez, paf, d'entrée de jeu, on attaque le petit mur. Encore ça va, du coup il y a du grip là parce que c'est détrempé. Allez, ça se fait tranquille. Il est pas long. Allez, c'est fait. Allez, ça continue toujours à monter. Un peu plus tranquillement. Faut qu'on arrive à toucher le chêne du haut là. Et on sera bon pour faire une petite descente. Si on a été sage. Et pour l'instant, je suis sage. Il est gentil. Allez, c'est parti. Oh putain, flaque d'or à lâche mordiste. Oh, la roue elle part derrière. Et tout en gardant du grip, c'est rigolo parce que c'est mouillé et il y a plus de grip que quand ça l'est pas là. Ok, elle est bonne ça. Oh putain, une roulotte. Oui, il va enlever. C'est pris aussi. Oh purée, un régal. Pour commencer, c'est pas trop technique. Ça se met en jambes. Donc là, désolé les gars, il y a des épingles, c'est pas mon point fort. Donc ça va freiner sévère. Hop là. Allez, ça tient à filmer les copains, histoire que vous ayez de belles images, avec un peu de chance, une petite gamelle dans le bêtisier. Allez, on va les attendre ici. Allez, on est parti pour une grosse montée en béton. Hyper pentu, hyper raide. Allez, la fameuse dalle en béton. C'est qui te cintre. On va chercher la prochaine descente. Ouh là là. Pas la grande forme les amis aujourd'hui. Je crois qu'on va souffrir du début à la fin. Allez, c'est reparti. C'est là où c'est. Oh là là, Otari compagnie, c'est moi. Lâche les freins, c'est un peu comme ça. Ça fait plus de bruit. Là. Ça grissouille un peu quand même. Ok, c'est bon. Je vais un peu plus cool qu'elle a. Je suis désolé les amis, il y aura un peu moins d'emprunt. Et on comprend pourquoi. Celle-là, elle patinasse un peu. Qu'est-ce que c'est là? Joli. Je
route, de toute façon, on va aller par là. Ouais, c'est pas grave. Yes. Oui. 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 Allez, devant on a la machine Yann. Monsieur des plus. Ouais, pour l'instant ça glisse pas. Hein. Dans ta tête, ça va, c'est dans ta tronche, bordel de merde. Oui. Allez, pour celle-là, c'est terminé. C'est reparti pour un petit peu de montée. En plus, aujourd'hui, on est équipé Fabien d'une cam. On va essayer de faire un petit peu bleu. Oh ben merde. Non, mais on va la refaire. Faut que Jean-Louis la passe, celle de la vigie. Si. El Diablo magnifique ne passera pas. Il a décidé aujourd'hui, il a plu toute la nuit. Non ? Mes chakras sont pas bons aujourd'hui. Alors on fait pas celle de la vigie, tant pis. Bon, on attendra que les chakras sont bons. Bon, ben là, on est parti sur un coin où, perso, je suis jamais allé. Petite montée sur la gauche, sortie de cette descente là. On va voir où ça nous ramène. Bon, comme je l'avais prévu, ben, sur cette sortie, je suis bon dernier. J'arrive pas à trouver mon souffle. Je suis vanné aujourd'hui. La quarantaine m'a tué, je crois. Ça y est, c'est le début du déclin. Celle-là, du coup, je la connais pas. Je sais pas si ça descend sa pédale. Petit single. Là pour l'instant ça pédale un peu. Je sais pas où on est. Allez, c'est parti pour la descente, je pense. On va essayer de se détendre un peu. Ça serait bien. Ça va trop vite. Oh oh. Quelques petits sauts, c'est cadeau. Ça y est, on a recollé au groupe. Allez, après cette belle descente, ben du coup, ça remonte sur une longue et bonne montée qui va nous ramener jusqu'aux crêtes. Après, on verra ce qu'on fera. Ben, je suis content parce que c'est un peu d'inédit. À la maison, c'est pas mal. Bon, les amis, celle-là, elle est faite, mais... Dur, hein, j'en ai la tête qui tourne et tout quoi. Mort de chez moi. Ouais. Et ça redescend un peu.
Enfin, normalement. Allez, allez. Il n'y a rien là. Ça fonctionne. Ah, paye pas les crampons, notre ami Christophe. Hein. D'habitude, il est plus serein que ça. Oh, bah, elle est sympathique, ça, aussi, dit. Mais tout le monde. Ah ouais, moi j'ai doublé quand ça monte, je suis un peu con quoi. Punition, ça m'apprendra à avoir doublé tout le monde. Ça remonte. Et là c'est moi qui veux faire doubler. C'est pas fini, ça continue. On a fait quoi, 10 km, même pas 500 mètres de dénivelé. Je suis cartable, complètement cartable. Même quand j'appuie sur les pédales, le vélo n'avance pas. Je suis cartable, complètement. Bon, je vais arrêter là, c'est peu, vous avez compris. La chanson non plus, c'est pas mon truc. Allez, ça fait la louille un peu sur les crêtes. Ah, c'est en train de choisir devant la descente qu'on va prendre. J'ai peur qu'après ça remonte sévère encore une fois. Il va falloir que je m'accroche au mental sur cette sortie là. Allez, ça va redescendre un peu. Devant, aux manettes, on a le grand El Diablo, le magnifique. Enfin, ça c'était avant ça. C'est plus le diablotin maintenant, mais bon, on va voir sur cette descente. Go 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 go, ouais, il est bouchonné par Mika devant. Il peut pas laisser exprimer tout son art. Ouh, ça glisse. Je sais pas, j'ai pas vu. C'est parce qu'il n'y a pas assez de vitesse que ça glisse. Je sais pas, il y a un gros machin sur le single, je vois pas. Bonjour, merci. J'ai cru croiser une grosse bête. Allez, go, 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 go. Allez, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez de El Diablo le magnifique. Position sur le vélo, freinage appuyé, tout doit être disséqué. Une descente qui monte, j'aime pas ça. Allez, c'est reparti. Là, j'ai pas besoin de faire de gros plans. Hein. Je lui lèche le cul. Si je tire la langue, elle est sur son anus.
Quel poète. Oh, ça va, vers l'intérieur. Ouais. Et allez. Et allez, Diablo, tableau de chasse. Oh, il était magnifique cet intérieur, je me suis gavé. Voilà Mika, c'est bien ça. Il a lâché les watts, Mika. Et il voulait pas mettre la pression à un Diablo, mais là, là, moi, il me fait du spectacle devant. Dès qu'il a senti la cam, il a envoyé du pâté. Et le deuxième. Ouh. Viens voir. Belle descente. On a bien descendu là. Non, coupe pas. On met tout. Attends, un dossier là. Par contre, il était en semi-rigide lui. Ouais, il a bien roulé aussi, Mika. Semi-rigide. Mika a très bien roulé. Ah, semi-rigide. Bon, encore une superbe descente. Et maintenant, une superbe montée. Il n'y a pas le choix. C'est du tac au tac. Ça, c'est le petit moment où tu es limite allé faire un bisou au collègue parce qu'il regonfle et ça te permet de te reposer un petit peu dans la montée là parce que tu es à l'agonie. Merci! On a fini de réparer, on est reparti, les copains nous ont rejoints parce qu'ils s'inquiétaient de plus nous voir. Donc ça a permis de se reposer un petit peu, ça fait du bien, enfin moi pour moi ça m'a fait du bien. Allez, maintenant on s'attend au gros coup de pétard. Allez, on se la tourne. C'est la troisième fois que je la monte. Elle est faite. On va essayer de rester. Garder de la motricité. C'est passé. Et on va voir les autres. Un tout petit peu pour rejoindre les crêtes. Pardon, c'est moi qui suis allé. C'est moi qui me suis un peu emballé. En croyant que la piste elle était à moi. Toujours faire attention parce que des fois on n'y pense pas, c'est vrai, parce qu'on est dans l'adrénaline de la chose et il y a des gens qui peuvent arriver en face. Comme là. Ah, elle est toujours en train de pédaler sur les crêtes là. On va rejoindre le petit tronçon de route qui va nous remonter jusqu'au chêne. Un petit mélange route single. Et comme vous pouvez le voir, c'est toujours aussi joli. Là, ça va descendre un chouï. Et toujours aussi sympa. Par contre là, ça risque de glisser un petit peu. C'est peut-être la caillasse. Bien fourré le coup de frein. Et voilà. Bon, on va alterner un petit peu de route et de single sur les côtés pour nous remonter tout en haut du fenouillé. Je lâche un peu les copains là parce que sinon je vais me tuer. Ah, elle est complètement en vrac pour le dernier coup de cul. Et on va le faire sur le vélo. C'est le dernier. Après, ça descend.
Allez, c'est fait. Dans le dur, mais c'est fait. Oula, les guidons. Je veux qu'on voit que vous ayez la pression sur le film. Allez, go, go, go! Vous n'avez pas voulu me laisser passer, maintenant faut accélérer. En plus, ça glisse presque pas. Ça glisse presque pas en plus. Allez les gars, à la chenille. C'est la chenille qui redémarre. Ah les gars, j'ai les plaquettes qui chauffent. Hein. Allez hop, on en a éliminé un là. Là il a eu la pression. Allez hop, hop, hop. La sélection naturelle s'est opérée. Patrick a lâché. Oh, même Jean-Louis il râle derrière. Pour te dire. Oh quoi. Oh là on est un peu. On se suit au cul là. S'il y en a. On va se tuer là. On va se faire. On va se faire un tamponnage, je dis. Ouais, tu vas voir un, là. Oh là là. Bon, d'habitude, il y a un petit peu plus de rythme dans celle-là, quand même. Ah, je l'ai taquine. Mais franchement, ça glisse aujourd'hui. Franchement, aujourd'hui, ça glisse. Ouh, une petite roue avant qui glisse. C'est bon ça. Ouais. Oh, bon. Là, normalement, Fabien, il devrait crever. Théoriquement, il crève toujours dans celle-là. Ah, c'est jamais... Bon, bah écoute, ça glisse, mais... Je sais pas, j'ai l'impression de mieux m'en sortir que d'habitude. Dans les virages. C'est peut-être une impression. Ouh. Allez, on est bon, c'est fini. Bon, ben on a fini cette dernière petite descente, et ben, impeccable. Fabien, deuxième caméraman, c'est lui que vous allez voir sur les autres plans embarqués. Eh bien écoutez, en tout cas, on s'est encore une fois régalé, on a fait une bonne sortie. On a fait quoi, 23 bornes et encore j'ai la route, 21 bornes pour 830 mètres de dénivelé, ça fait quand même une sacrée sortie. J'espère qu'elle vous plaira et moi je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde.